Good morning, allez Yiden, les tutres aujourd'hui de la Mishmat Avraham Chayenor Berman Fortuné Mazal et Yedida Betester. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechet Tumura Perek Vav Mishnah Dalet. Natanla Ksafim, Aren Elou Mutarim. Yenot Shmanim Uslatot, Mechol Davar Shekaritse Baim Karev Al Gaba Mizbeach Asur. Natanla Mugdashin, Aren Elou Mutarim. Ofot, Aren Elou Asurim. Shaya Bedin, Ima Mugdashim Shamum Posel Bahem, Enet Nano Mechir Chal Alehem. עופות שאין המום פוסל בהן, אינו בדין שלא יהיה אתננו מחיר חל עליהם. כלומר, לכל נדר להביא את העוף. On continue dans notre Mishnah à parler du sujet de Etnan Zona ou Mechir Kelev. Etnan Zona, le salaire qu'on donne à une Zona, prostituée, et Mechir Kelev, la contre-valeur du chien, qui sont, c'est ce qu'on a expliqué dans les deux Mishnayot précédentes. Ces deux cas de figure, si je vais donner un mouton en salaire ou si je vais échanger un chien contre un mouton, alors ces deux sortes de moutons seront interdits à monter sur le Mizbeach. C'est explicite dans la Torah, Kito Avat Hashem Alokecha, Gam Shnehem. Les deux sont Toeva, sont répugnés. Pour rappel, peut-être qu'on le dit tout de suite, c'est explicite dans le verset, ça va être expliqué à partir du mot Lechol Neder. Il y avait écrit dans le Pasuk, Velo Tavi. L'otavi etnan zona, tu n'apporteras pas le salaire, la rémunération d'une prostituée. Ou mechir kelev, ou le prix d'un chien. Bet Hashem elokecha, dans la maison d'Hashem, ton Dieu, lechol neder, pour accomplir ton vœu. Et de ce pasuk lechol neder, on va déduire plein de choses aujourd'hui. Kito avat Hashem elokecha gam shnehem, car les deux sont répugnés devant Hashem, ton Dieu. Même les deux, gam shnehem. On avait expliqué hier le mot Gam Shneim aussi pour expliquer Shneim, Hem, eux, et pas le contraire, si c'est Etnan, Kelev, Vemechir, Zona, et Hem, Velo, Vladotem, on va aussi apprendre autre chose encore aujourd'hui, Hem, Velo, Shinouye, Hem. Et on commence tout de suite à traduire la Mishnah, Natan la Ksafim, s'il lui a donné de l'argent, avec la même intention qu'elle aille acheter avec cet argent un mouton pour la porter en corban, eh bien il faut savoir que Are et Lou Moutarim, l'argent, elle sera permise. C'est-à-dire, pas l'argent sera permise. Lorsqu'elle va acheter ensuite avec cet argent, la solette et de la mincha, alors ce sera, ils seront permis. Et je continue tout de suite, après on va expliquer un peu mieux. Yenot, shmanim ou slatot. S'il lui a donné du vin, de l'huile, ou de la semoule pour en faire des oblations au Betamigdash. Ce sont des choses qu'on peut prendre telles qu'elles et les apporter en korban, en Issour, en Essachim, ouais, Niske Yain, Niske Shemen, ou bien encore même les Menachot, pour avec la semoule. Vechol davar shekayot sebo karev al gabe misbeach, et idem pour tout ce que l'on va pouvoir offrir en korban au misbeach. Assour, les choses seront interdites d'apporter un korban. C'est-à-dire qu'en fait, même si on a parlé pour le moment, jusqu'à maintenant on parlait d'un mouton qu'on va lui donner, il faut savoir qu'en réalité, on n'est pas limité qu'au mouton. Ça inclut tout ce que l'on peut prendre tel quel et la porter en corban. C'est déduit du pasuk le chol neder, on apprendra même autre chose encore. Il y a encore un autre cas qui est les volailles. On peut apporter aussi un corban d'une volaille, au lata off, ou bien même un khatata off. Si la zona, ou bien si la personne avec qui on échange le chien, on va lui donner un poulet, eh bien, pas un poulet, on va lui donner un torim au bnayona. D'accord, un pigeon qui peut en faire un corban de lui, eh bien, il sera interdit aussi, ce sera explicite dans la suite de la Mishnah. Précision très importante aussi qui est rapportée dans le Bar Tanoura, il y a même mieux que ça. C'est déduit aussi du pasuk Gam Shnehem, je crois qu'on déduit ça du pasuk Gam, même si le Bar Tanoura rapporte de Shnehem, il me semble que dans la Gemara, dans la Kama, c'est déduit du fait qu'on dit Gam Shnehem. Tous les mots, ils sont en trop. Il fallait le pasuk se finir en disant Lotavi, Etnan, Zona, Omechir, Kelev, Bet Hashem, Elokecha, Lechol, Neder. Qui toavat Hashem Elokecha, il fallait me dire Hem. Et le pasuk me dit Gam Shnehem. Alors le mot Shnehem, on l'a expliqué hier. Mais même le mot Gam aussi, il est en trop. Et de là, on déduit aussi Hem Velo Shinouyehem. Eux et pas leur transformation. Quelque chose de. C'est comme pour la chôte de Gezel, qu'on avait aussi appris, dans Baba Kama, 7e Perek, dans le Roubaix. On avait appris là-bas que. La chose elle-même, elle interdite, mais si tu vas lui changer la forme, l'allure, tu vas le transformer, je vais lui donner du blé, elle va le moudre, on va plus reconnaître en fait le blé initial, il y a eu un shinouyutsura, il a changé de forme,
eh bien, il va devenir maintenant permis ce blé-là, même pour en faire un corban de misber. Même mieux que ça. La Gemara rapporte aussi dans ma Bakama, Talé Venesail, je lui donnais un petit mouton, c'est devenu un bélier. Même ça, il y a eu un chinois Tsura. Il a changé de tête, il a changé d'allure, on ne le reconnaît plus. Et il est plus reconnaissable, l'interdit se fait lever. Ok, c'est la chôte de chinois. Maintenant, la Mishnah continue en me disant Natana Mukdashin Are Elu Mutarin. S'il lui a donné maintenant un animal qui était kadosh. Jusqu'à maintenant, on a parlé de quelque chose que je lui donne, quelque chose qui est chol, profane, et elle a le voir le sanctifier. La Torah m'a dit non, tu ne sanctifies pas. Eh bien, là maintenant j'ai fait mieux, j'ai directement donné un korban. Exemple rapporté dans le Barthénois, dans la Gemara, que j'avais mon korban Pessah. D'accord ? J'ai désigné mon korban Pessah. Maintenant, sur ce korban Pessah, même si je l'ai déjà désigné, je peux décider de nommer qui je veux. Même après coup. Une fois que je l'ai désigné, on est encore le 10, 11 Nissan. Je peux dire à mon voisin, s'il veut, il peut venir, je l'invite à manger avec moi. Il faut que je le nomme, je le désigne sur le korban Pessah. C'est individuel. C'est une fois qu'il faut, il faut être nécessairement nommé dessus. Je peux pas inviter n'importe qui à manger un korban Pessah. Mais en tout cas, donc maintenant, mais j'ai le droit de désigner malgré tout. Et il a donné donc à la zona, il lui a proposé, en échange, de la compter dans son corban. Il s'avère que maintenant il est en train de lui donner une part dans ce qui est déjà un corban. Il a déjà sanctifié le mouton. Eh bien la Mishnah m'enseigne, sache que c'est permis. Ça n'a pas interdit le corban. Parce qu'il faut nécessairement que ce sera expliqué ensuite. Attendez une seconde. D'amarka lechol neder, l'otsietanadur gvar. Tout ce que je t'ai interdit de lui donner, le Etnan Zona ou Mechrekelev, c'est les Chol Neder, les choses qu'elle va ensuite en faire un Neder, mais pas quelque chose qui est déjà Nadour, qui a déjà été sanctifié, qui a déjà été désigné en Kadosh. Par contre, Ofot, Are Elu, Asurin. Par contre, si je lui donne une volaille, une tourterelle, et ou bien un pigeon, alors Are Elu, Asurin, ils seront interdits à la consommation. Alors là, la Mishnah va comparer maintenant les deux à la Chot. Il y a les... Donc, on va comparer maintenant les deux à la Chot. Je lui donnais quelque chose qui était déjà Kadosh, c'est permis. Une volaille, c'est interdit. Parce que la volaille, elle était profane, après elle va devenir Kadosh. Et la Mishnah me dit, Chaya Bedin, parce qu'on aurait pu croire que non, la volaille, il va falloir l'interdire. Pourquoi ? Ma imamukdashin, on fait un kalvachomer. On va déduire l'un de l'autre, en réalité. Que, selon la logique, si un animal qui est déjà Kadosh, il n'y a pas d'interdit de Etnan qui va s'appliquer sur lui, alors une volaille, elle n'avait aucune raison de devenir Kadosh. Si ce n'est le fait que le Pasuk l'inclut. Pourquoi il n'y avait aucune raison, je le dis d'abord à l'oral, c'est parce que, regarde la folie qui se passe. Il y a une halakha avec les poulets, avec les volailles, que lorsqu'on apporte une volaille, entamut vezachut beofot. Une volaille, même si elle a un défaut, elle a la crête un peu fendue, ou elle a un pied cassé un peu, alors il n'y a pas de halakhot de tamim dans les volailles. Si lui manque un membre entier, c'est interdit. Mais tant que la volaille est entière, elle a deux pieds, même si les deux pieds ils sont un peu cassés, ils sont un peu écorchés et tout ça, il n'y a pas de halakhot de baalmoum, de défaut physique dans les volailles. Tandis que dans les korbanot, il y a les halakhot de défaut physique. Donc je déduis de là que la Torah elle est beaucoup plus mahmira que... une volaille soit qu'un mouton par exemple, il soit beaucoup plus parfait et digne d'un corban plus qu'une volaille. Et si dans le mouton tu me dis que il y a un problème de défauts certes, mais une fois puisqu'il a déjà été kadosh, ouais, il était kadosh, il a eu un défaut, il est impropre à monter sur le misbar, et pourtant tu me dis que il peut être etnan, tu peux le donner en salaire, si tu l'as donné en salaire de rémunération, eh bien il ne sera pas impropre pour le misbéar. Alors j'aurais déduit de là qu'à plus forte raison, que la volaille, que la Torah elle est moins makpida sur les. Elle est moins méticuleuse sur ce qu'on va faire monter sur le misbéar en volaille, on est beaucoup plus permissif. Allez, même si elle a un petit défaut, tu peux la mettre sur le misbéar. J'aurais déduit de là qu'à plus forte raison que même si qu'elle n'aura pas d'interdit de Etnan. C'est pour ça qu'on a eu besoin du passo qui va m'apprendre l'Echol Neder. L'Echol Neder, tu m'inclus pour tout ce qui que ce que tu peux avoir en Neder, tu m'inclus ici les. Volaille. Et c'est ce que la Mishnah me dit, regardez. Shayabin, car j'aurais pu déduire qu'au contraire, que la volaille, c'est sûr qu'il va falloir la permettre, qu'elle ne peut pas avoir d'interdit de Etnan. Pourquoi ? Maïma Mukdashin,
Si déjà dans les Mugdashim, dans les Korbanot qui sont déjà sanctifiés, Shamum Posel Bahem, qu'on a vu là-bas que les défauts qui vont les rendre invalides, En Etnan Omechir Chale Alehem, ils ne sont plus concernés par les lois de Etnan Omechir, Kelev. D'accord? Ils sont plus concernés par ces interdits. Donc je dis que ces interdits, ils sont un peu moindres, ils sont moins violents, ils s'impliquent, ils sont plus cool. Et alors, dans ce cas-là, Ofot She'en Amum Pasul Bahem, et dans les volailles, où le défaut n'invalide pas le korban, enobedin sheloye etnan omechir chal alehen, n'était-ce pas plus forte raison qu'il fallait, dans ce cas-là, que le etnan omechir ne s'applique pas sur eux? Ouais, c'est un rapport de force classique, un vrai cas, pas un vrai déduction par a fortiori. Tu prends, on est plus strict sur les moutons, là-bas il y a deux halachot, les défauts ça invalide, etnan ça n'invalide pas. Alors la volaille où les défauts n'invalident pas, a plus forte raison que l'Etnan ne devrait pas invalider. Si ce n'était que Talmud Lomar, c'est pour ça que le passage que les gens m'incluent en me disant les chol neder, pour tout ce que tu veux pouvoir en faire un vœu, les avi et taof, pour inclure même les volailles, les tourterelles ou les pigeons, que si toutefois tu l'as donné, ils étaient profanes, après elle veut voir les sanctifier, elle ne pourra pas apporter un korban avec eux. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, c'est là.